asked my bird the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Bon, salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre let's play sur Hitman Absolution, épisode 4. Hop, il nous laisse tranquille, donc on le laisse tranquille, on va pas chercher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le précédent épisode, les amis? Bah, j'ai envie de vous dire plein de choses. On a été tué un mec bizarre qui était entouré de policiers, qu'on a fait une petite diversion pour faire sonner l'arme de sa voiture. Il a été la voir et on l'a buté. On s'était déguisé en policier également et on avait récupéré quelques objets bien sympathiques dans cette mission. Voilà, donc on enchaîne. Non, aussi on avait été voir un informateur à la fin. On avait demandé à cet informateur de nous donner des informations, le but d'un informateur quand même, sur la petite fille qu'on trimballe et pourquoi l'agent s'y intéresse tant. Donc, voili, voilou pour les informations. Et donc, bah c'est parti, on enchaîne. Donc à mon avis, on a plusieurs lieux pour accéder à ce qu'on veut. Et moi j'ai choisi les égouts. Après les poubelles, j'ai choisi les égouts. Hop. Donc on avance à travers les égouts. Pour passer apparemment la muraille. Alors, on va faire ça avant, voir s'il y a du peuple. Ce ici. Alors, on check toujours un tout petit peu, voir s'il y a quelque chose à récup. C'est mon premier réflexe maintenant, je le faisais pas avant. Voilà. On va le ranger, je préfère sortir. Ah, on a ça comme pétard, mais c'est pas très discret ça. Ça j'aime pas trop quoi. Ça j'aime pas trop, c'est pas super discret. Sachant qu'il y a du popole. Là, il y a un mec qui arrive. Il va pas aller bien loin de toute façon, mais il y a un mec qui arrive quand même. Un mec de maintenance, donc on va essayer de se déguiser comme lui, j'ai bien envie. Histoire de passer vraiment incognito. Un électricien. On fait que le maîtriser, pas besoin de le tuer. Alors, hop, déguisement. Voilà. Et je te traîne jusqu'à la cache où je te mets dedans. Comme ça au moins si on se fait repérer, bah, j'ai envie de dire. Merde. Ça pue ça? Non? Je vais me planquer. Vite, 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 rentre dans le truc, toi. Mec, il a découvert un corps. Non, fais pas cette connerie. Ne va pas crier, genre... Hein? Ce serait pas comme ça. Putain, le mec va faire tout le tour. Garde en alerte et tout. Il prévient tout le monde. Putain. Donc les mecs ils répliquent, ils répliquent, ils répliquent. On va voir s'ils vont me découvrir. Il m'a pas vu rentrer dedans techniquement. Bon, en fait, je vais sortir. Et je vais l'attendre. Voilà. Putain, c'est bon là. Pas non plus taper tous les gardes de la map, ce serait relou quoi. Ah, mais si tout le monde se prévient aussi. Bon. Prudent. En fait, planquer des gens, sachant qu'il y a une mezzanine que j'avais pas vue, c'était pas forcément une bonne idée. Mais c'est pas super grave. Alors.
ça comme gun. Pourquoi pas, c'est toujours bon à garder. Il n'y avait pas un truc à faire, genre truquer l'électricité. Hein, non? Peut-être un truc à faire, non? Bon. C'est pas des masses. Il faut rentrer par le conduit de ventilation aussi. Ça c'est vachement... Ouais, c'est vachement bien ça, c'est... je trouve ça cool. Je trouve ça vachement cool. Jeter un coup d'œil prudent. Alors le mec il est au briquet, c'est ultra discret. Hop. Alors les mecs ils sont un peu stress dans le coin. Tac. Déguisement. On va voir en quoi on va se déguiser. D'accord. C'est pas mal ça. Bon. Premier soin, on en a pas besoin. Y a-t-il quelque chose à faire dans cette pièce? Truc à récupérer les amis. On peut lancer le générateur. Mais avant, je crois que j'ai vu un truc sur une étagère, une clé anglaise. Alors, on lance un générateur, ok. Haha, d'accord, ok. Bon, bah ça c'est fait, je crois. Hein. Un peu trash comme perso quand même. Il y a des gens un peu partout. Essayez d'esquiver ça tranquillou. Alors là, je suis un employé de maintenance de l'hôtel. Qui a apparemment un sérieux problème électrique. Hein, donc, hop. Là, il n'y a rien à faire de terrible. Qui sont un peu tendus hein. Alors les mecs je sais pas s'ils vont me voir. Apparemment non. Hop, on va vite le traîner. Histoire que personne ne le voit. Oula. Ils sont tous en stress. Alors le mieux ce serait soit de prendre une apparence comme eux. Déjà le mieux serait de niquer ce gars là. Il est un peu... Alors on va y aller en mode furtif. Il nous tourne le dos de manière. Voilà. Et je te brise le cou. Hop, et je te mets dans le coin. Histoire 2. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ou les filles, hein, d'ailleurs. J'ai envie de me déguiser comme toi, parce que c'est trop la classe. C'est surtout histoire de débloquer le déguisement.
que le mieux, je vous cache pas, que ce serait ceci. À l'heure actuelle. Donc, on va prendre l'ascenseur. Comme prévu. Et du coup, j'ai envie de dire, on va peut-être se déguiser autrement pour le coup. J'ai envie de dire, ça passe un peu partout. Allez, on monte, c'est parti. Ouais, moi j'ai un plan en tête. Wow. Y'a du peuple ici. Seal up tight. Nobody disturbs Mr. Dexter without our permission. Good. And no incidents, you hear me? I want this operation to go as smooth as possible. No drinking, no fighting, and no banging the maze that means you. Alright, alright. Jesus. Just keep your dick in your pants, alright? You want me to come back later? Oh, no, 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 no. Come on in. I'll stay out of your way. I'll let you do your job. Oh. Il faut qu'on trouve un accès. Okay. Hey, what's in the boxes? Oh, it's a mystery. Actually, it's not. They're shoes. That's what I do. Wow. Trouve un accès. On a saboté les haut-parleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on le fait. Bon. Apparemment, il y a plusieurs gardes à tuer. Enfin, ça, c'est clair. Pour l'instant, les gens, ils font pas chier, mais il y a énormément de gardes. D'ailleurs, il y en a un derrière moi. Voilà, je vais être discret. Hey. Yeah. It's all there. C'est une des cibles ou pas? Non. Wait, what are you nuts? Non, 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 non. You're gonna say that openly on the phone? Did you call on a secure line? Alors. Hop. Ça, c'est un objet que j'ai pas encore. Bon, je prends un peu tout ce que je trouve, hein. Hop. Ah. Manifestement, on a quelqu'un dans cette pièce. Nécessite une carte d'accès. Bon, ok. T'aurais pas une carte d'accès pour moi? Non. Bon. Ah. Parce qu'elle va me voir, elle va faire... Ah, il sort dehors et tout. Ah là là. Faudrait qu'elle dégage en fait. Et elle a une carte d'accès. Donc, j'ai envie de te dire... Ah non, c'est un Walkman. Dégage. Ah oh, putain, casse-toi. Mon dieu. Ouh, le bug. Je suis rentré dans un mur, pardon, le mur. Allez, on escalade. Alors... Bon, je peux pas aller bien loin en fait, hein, mais on va voir ça. Ah, je peux descendre.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. D'accord, j'ai compris, je suis désolé. Hop. Ah, tu veux pas y aller non plus? Si, voilà. C'est l'angle de caméra qui le dérangeait. Hop. On remonte. Je suis atterri dans un endroit un peu bizarre. Pareil, j'imagine qu'il faut une carte d'accès. Ah ouais, bah c'est de l'autre côté du truc où j'étais en fait. Donc, du coup, c'est ok. Bon. Du coup, je peux continuer à monter tranquillou. Point de contrôle activé. Oula. Donc il y a un gars ici. Putain, le con de truc quoi. Flipper, abusé. Donc il y a un gars qui en approche. Allez, tourne-toi. Hop, je te maîtrise, je te brise la nuque. Et je te tire. Histoire qu'il n'y ait pas d'embrouille. On récupère des munitions de revolver. Donc je rappelle que le but vraiment c'est pas de choper tous les objets, tous les items disponibles dans l'émission. Vraiment, je tiens à vous le rappeler. Tiens, je vais me déguiser comme lui, je suis con, j'ai pas pensé. C'est vraiment de vous faire vivre l'aventure principale et surtout c'est vous si après vous avez envie de faire le jeu, bah voilà, ça sera à vous également de découvrir un peu les choses en fait, voilà, c'est pas non plus de vous mâcher le boulot hein. Ça c'est important que vous le sachiez. Hop, j'escalade. Donc l'objectif c'est d'aller en face. Donc par ici, ok. Ouais, donc l'objectif c'est pas du tout de hop de vous mâcher le boulot à 200%, hein, c'est surtout je sais pas comment je vais faire, il va sauter le gars, il est chaud. Surtout à vous de tout gérer. Voilà, moi je montre pour ceux qui ne veulent simplement pas acheter le jeu ou qui ont pas forcément. Bonjour. Pas forcément les moyens de l'acheter, du coup, ou qu'on préférerait acheter Call of aussi, hein, voilà. Allez, remonte doudou, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, je vous offre cette possibilité-là. Mais c'est... Hey, what up? Yeah, well, fuck you too, man. Yeah. Fucking asshole. Alors, j'ai eu le réflexe, j'aurais pu rentrer dedans, mais j'ai préféré. Bah, le péter en 4. J'aurais pu le pousser, vous me direz. Hein. Allez, hop, je te brise le cou. Te traîner, oui, mais. Est-ce que je peux te mettre dans le. Je peux te jeter? Ouais, je peux te cacher comme ça. Allez, zou!
Il y a un mec qui arrive, je crois. Faut arrêter de crocheter. Oula, il a popé de l'autre côté, le gars. C'est nos problèmes. On va crocheter tranquille, du coup. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est qu'ici, on... C'est qu'ici c'est ici que nous allons nous quitter sur cet épisode Let's Play. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à très très vite. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, également sur YouTube en vous abonnant, en lâchant des petits pouces verts ou en commentant tout simplement. Et puis, bah voilà, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très très vite. Ciao.